C'était au cours de la célébration eucharistique du dimanche 25 octobre, lue par Monseigneur l'évêque Nestor Ngoï Katawa. Célébration au cours de laquelle les parrains de tous les jeunes catholiques du diocèse de Colomiers a pris part, et que trois sœurs de la congrégation Notre-Dame Chanoinesse et de Saint-Augustin qui ont célébré au cours de cette messe les jubilés d'argent pour les trois et les jubilés d'or pour la sœur Marie-Odile Moumenda. Dans son homélie, le célébrant a centré cette dernière sur l'amour du prochain et des dieux le Père. Upende mwenzako aipate. Kama wewe unapenda wewe unajipenda wewe mwenyewe wakupatie hiki. Lakini kama mwenzako yeye anakipata, unakuwa na wivu pia mwenzako. Maana yake pale ujitambue pale pale wewe mwenyewe tu kama haupo katika njia ya Mungu. Après est venu le moment des renouvellements des vœux pour toutes les quatre sœurs jubilaires, en présence de plusieurs autorités et membres des familles. Moi, sœur Goïwitemakwa Bernadette, j'ai renouvelé librement par vœu. Je renouvelle mon engagement devant vous, sœur Guérée Munga, vicaire du Congo, à vivre à la suite de Jésus-Christ, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté selon nos constitutions. En présence de cette communauté ecclésiale, moi, sœur Inugaka Tumumirei, je renouvelle librement mon engagement par vœu à vivre à la suite de Jésus-Christ la pauvreté, l'obéissance et la chasteté selon nos constitutions. Mon engagement par vœu à vivre à la suite de Jésus-Christ la pauvreté, l'obéissance et la chasteté selon nos constitutions. Après la messe, direction vers la salle des fêtes Nyumba Eri où s'est partagé un verre de réjouissance.